Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du Side Biz Channel. Je suis Emmanuel Mazzi et j'aide les personnes ambitieuses à lancer une source de revenus en ligne à partir de ce qu'elles aiment et savent déjà faire. Si tu te demandes si un business en ligne est fait pour toi, tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de 5 signes que si l'un d'eux ou plusieurs même sont présents dans ta vie, c'est que c'est le moment pour toi d'envisager sérieusement de te lancer en ligne. Je sais que le doute peut retenir longtemps beaucoup d'entre nous dans une sorte de paralysie. Et c'est très frustrant, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit des personnes en parler à longueur de temps, le online business, le side business, les masterclass, les passive income sont devenus des sujets récurrents, ce qui nous fait réfléchir parfois si ça ne vaut pas le coup. Et si cette culture a pris les devants et qu'en plus elle prospère depuis un moment déjà, c'est parce qu'elle vient mettre en relief une chose. Les gens aspirent à avoir le moyen de faire un travail qu'ils aiment faire. Et franchement, pourquoi s'en priver si cette option est possible? Bien sûr, avoir un emploi stable, un salaire qui couvre nos besoins est l'une des priorités indéniables. Mais heureusement, il est tout à fait possible de lancer une activité sur le côté. C'est ce qu'on désigne aujourd'hui par le side business ou le side hustling pour les anglophones. Avec une telle option, on peut tout à fait garder la sécurité et le confort qu'offre un job à plein temps et se faire des revenus supplémentaires grâce à une compétence, une passion pour un domaine ou un sujet ou peut-être même un loisir qu'on garde habituellement pour le temps libre. Mais la grande question reste, c'est suis-je prêt ou prête pour ça? Comment savoir si c'est fait pour moi? D'autant plus qu'il y a tellement d'inconnus et d'idées reçues autour du business tout court et encore plus pour le business en ligne. Alors comment savoir si c'est le moment pour toi plutôt que de simplement rêver et de le garder sur la fameuse liste de peut-être un jour? La vérité, c'est qu'il y a plusieurs manières d'obtenir des éléments de réponse. J'ai même créé un quiz gratuit pour t'aider à savoir quel est ton profil exact et à partir de là, par où commencer. Tu le trouveras sur www.elmezil.com/quiz. C'est gratuit et ça ne te prendra que 2 minutes. Alors n'hésite pas à le faire. Maintenant, explorons ensemble les 5 signes qui vont t'aider à savoir si c'est le moment de créer un side business. D'ailleurs, si tu te demandes qu'est-ce qu'un side business, j'ai fait une courte vidéo sur ce sujet. Tu trouveras le lien avec les notes de cet épisode. Revenons à notre sujet et commençons par le premier signe qui indique clairement qu'il est temps d'envisager sérieusement de lancer une activité secondaire. Tu es passionné par un sujet et tu rêves de le partager avec le monde. La vérité, c'est que la plupart des sidepreneuses que j'accompagne partent de ça, un désir ardent de partager un sujet qui les passionne. Le monde des émotions, le développement personnel, la décoration intérieure, le coaching sportif et tant d'autres domaines qui prennent une grande place dans leur vie. Au début, c'est un simple centre d'intérêt, on va dire, un sujet qu'elles aiment approfondir ou expérimenter dans leur vie et petit à petit, elles arrivent à un point où le désir de le partager avec les autres s'agrandit. C'est comme ça que ça a commencé pour moi aussi. J'avais commencé à me former en coaching pour moi avant tout. Et au fil du temps, j'avais envie de partager mes apprentissages autour de moi. Peut-être que tu es dans le même cas, qu'il y a un domaine ou un sujet ou peut-être même un loisir qui te plaît et que tu as envie de partager. Peut-être que tu t'es formé dans un nouveau domaine et tu veux en faire quelque chose. Tu as des étoiles dans les yeux quand tu commences à en parler et tu te demandes parfois si tu ne devais pas explorer cette piste. Pourquoi pas en faire à terme un business? Si tu n'arrêtes pas de penser à ça, à imaginer un futur que tu consacres à ce que tu aimes, c'est ton signe. Tu peux envisager sérieusement d'en faire un side business et voir ce que ça donne. Peut-être qu'il n'y a pas un sujet particulier qui te fait vibrer, mais ce qui est sûr, c'est que tu voudras être plus libre financièrement. Tu as un crédit qui t'oblige à serrer la ceinture et tu voudrais tellement avoir une autre source de cash pour respirer un peu. Tu envisages peut-être d'entamer une formation payante qui est hors de ton budget pour le moment. Ou tu voudrais juste pouvoir financer tranquillement des loisirs personnels. L'attente du 13e mois ou de cette promotion qui ne semble pas venir te frustre et tu te surprends à penser parfois « si seulement j'avais une autre source de revenus ». Eh bien, sache que c'est tout à fait possible avec un side business. Tu peux faire de l'argent avec ce que tu sais déjà faire, en parallèle de ton emploi, en y consacrant quelques heures par semaine.
Et qui sait si au bout du compte, ça ne devient pas ta principale source de revenus. Alors, si tu es emballé par l'idée d'avoir des revenus supplémentaires, peut-être même que tu as envie de voir comment ça pourrait impacter ton quotidien, alors un side business est une excellente option pour toi. Et avoir une passion pour un sujet ou l'envie d'être libre financièrement ne sont pas les uniques raisons pour lancer un side business. Il se peut que tu sois dans ce cas de figure où, au-delà de toutes ces considérations, tu trouves ton quotidien un peu plat et tu rêves d'avoir un cadre où tu peux exprimer davantage ta créativité. Et attention, quand je parle ici de créativité, je ne fais pas référence à un loisir créatif. Je pourrais aussi dire exprimer ton énergie, exprimer ta personnalité, une façon de t'exprimer qui te fait sentir pleinement toi. Pour moi, c'est ma manière d'accompagner et d'enseigner qui me fait sentir pleinement moi. C'est aussi le choix des sujets qui me parlent, la manière dont je conçois mes ateliers et mes formations, chose qui était très difficile dans le salariat. Alors, si tu te sens, disons, un peu unique, que tu ne te sens pas toujours à ta place, que tu rêves du moyen ou du cadre pour exprimer cette singularité, un cadre où tu te sens pleinement toi, tout à fait libre de créer et d'exprimer qui tu es, alors un side business est un ticket gagnant pour transformer ce rêve en réalité. Tu peux alors choisir une idée de business qui correspond justement à ce que tu veux exprimer et à partir de là, le ciel sera ta seule limite. Voyons voir maintenant le quatrième signe. Tu rêves de devenir un jour ton propre boss. Tu as peut-être assez de ce rythme effréné du métro boulot dodo. L'ambiance dans le travail commence peut-être à devenir pesante et tu te sens épuisé. Tu te forces le matin à quitter le lit pour aller travailler. Tu te dis, si seulement un jour je pourrais devenir mon propre boss, lancer un truc à moi et ne pas subir toutes ces contraintes que je vis aujourd'hui. Si tu ressens que tu rentres dans un cycle d'épuisement professionnel, tu ne sais peut-être pas ce que tu peux faire d'autre, mais encore moins par où commencer, mais tu es sûr d'une chose. Ça ne pourrait pas durer éternellement. Alors un side business est ton point de départ. Et si tu te dis tant qu'à faire, pourquoi ne pas me lancer à plein temps? Je te répondrai tout simplement qu'avec un side business, tu as tous les avantages d'un business à plein temps, avec pour bonus les risques en moins. Tu ne passes pas ton temps à stresser si tu vas pouvoir faire assez de ventes pour pouvoir couvrir tes charges. Tu ne vas pas passer ton temps à te demander si ça va fonctionner, puisque si une idée ne fonctionne pas, tu peux toujours la changer et en trouver une autre. Tu n'as pas été épuisé à essayer de tout faire dans un temps court, puisque tu peux aller à ton rythme, consacrer une journée ou même 2 heures par semaine à ton activité et la voir grandir au fil des temps. Ça, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Je croyais que l'unique moyen de commencer est de tourner la page définitivement. J'ai alors démissionné alors que je n'avais aucune idée sur ce que je faisais ou comment je vais m'y prendre. Et je peux te garantir que la première année était horrible. J'étais tout le temps stressée, j'étais épuisée, je faisais des nuits blanches et au lieu de trouver le plaisir de créer, de partager, je vivais dans un stress continu. Alors, si tu as une idée de business en tête ou que tu veux simplement pouvoir un jour créer ta propre affaire, prends le temps de réfléchir à ce que tu peux commencer à faire déjà avant de décider de clôturer définitivement le chapitre du salarié. N'oublie pas de faire le quiz « Quel profil de sidepreneur tu es ?» parce que j'y ai inclus les étapes exactes pour commencer suivant ton profil unique. Ça te donnera un point de départ et une direction. Autre signe révélateur qu'il est temps pour toi d'envisager sérieusement de lancer un side business, c'est cette sensation pressante qu'il est peut-être temps de reprendre le contrôle des choses. Peut-être parce que le chemin que tu empruntes aujourd'hui ne t'inspire plus ou que tu as juste la sensation que tu es destiné à plus, à offrir plus, à obtenir plus, à évoluer et à emprunter un chemin qui te ressemble davantage. Tu as peut-être de grands rêves, de grands objectifs pour le futur et tu voudrais commencer à travailler pour les atteindre. Tu réalises que tu vas bientôt atteindre ce plafond de verre ou que ta vie t'échappera si tu ne prends pas les choses en main. Tu as envie d'écrire ta propre histoire. Tu voudrais en être l'auteur. Si le désir de tracer ta propre voie se fait sentir, alors un side business est une opportunité en or pour commencer ce changement. Et si tu demandes pourquoi, eh bien parce que tu vas créer quelque chose qui te ressemble, que tu es libre de choisir tes objectifs. Tu peux alors partir sur des sujets ou des projets qui te rapprochent davantage de ce que tu veux avoir, vivre ou expérimenter dans la vie.
Alors, si tu sens que tu es faite pour plus ou que tu veux simplement reprendre le contrôle du cours de ta vie, il est temps de réfléchir à ce qu'une activité en ligne peut t'apporter et te permettre de faire. Ok, voici les 5 signes que c'est le moment pour toi d'envisager sérieusement de lancer un side business. 1. Tu es passionné par un sujet et tu rêves de le partager avec le monde. 2. Tu souhaites acquérir plus de liberté financière. 3. Tu veux exprimer davantage ta personnalité. 4. Tu rêves de devenir un jour ton propre boss. Et 5. Tu veux reprendre le contrôle de ton chemin de vie. Si l'un ou même plusieurs de ces signes te parlent, alors c'est un grand oui. C'est le moment. Et je suis consciente que ça ne suffit certainement pas pour que tu saches quoi faire et que ça rend pas une telle décision facile. Mais c'est déjà un bon point de départ parce que avec cette idée en tête qu'un side business est probablement pour toi, tu peux commencer à penser au quoi et au comment, ce que tu peux faire comme business et comment tu vas t'y prendre. D'ailleurs, c'est l'objectif principal de cette chaîne. Alors garde un œil dessus. J'y partagerai chaque semaine des mini-formations, des interviews, des ressources pour t'aider à avancer sur ton chemin entrepreneurial de la manière qui te correspond à toi et qui est tout à fait alignée avec qui tu es et la vie que tu espères créer. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a apporté des éléments de réponse. N'hésite pas à partager avec moi si un signe ou plusieurs te parlent. Quant à moi, je te retrouve bientôt, même endroit, même heure. Au revoir.